Bonjour, au sommaire de cette revue de presse, le lancement de la 30e campagne des Restos du Cœur, la réforme des retraites chapeau sur les rails et la TVA des manifestations sportives. Voilà un anniversaire difficile à célébrer. Cette année, la fondation des Restos du Cœur a 30 ans. Trois décennies que les bénévoles distribuent des repas gratuitement aux plus démunis. Et cette fois encore, l'association créée par Coluche craint battre des records. L'an passé, plus d'un million de personnes se sont inscrites au programme et 130 millions de repas ont été distribués, financés à 45% par les dons, comme le montre cette infographie du Figaro.fr. À l'occasion du lancement de cette 30e campagne, les Restos du Cœur ont reçu la visite du Premier ministre, Manuel Valls. L'an passé, ils avaient obtenu que la loi Coluche sur les exonérations fiscales soit étendue aux dons des producteurs laitiers. Ils espèrent cette fois étendre cet avantage fiscal à l'ensemble des filières agroalimentaires. Si le gouvernement estime que la lutte contre la précarité est une priorité, il doit convaincre l'administration fiscale, a déclaré Olivier Berthe, président des Restos du Cœur. Bercy souhaite agir au plus vite. Quelques jours seulement après avoir évoqué l'idée, le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, confirme que les retraites chapeau seront bien supprimées. C'est par voie d'amendement dans le projet de loi pour l'activité et la croissance que sera intégrée la mesure. Le ministre s'est dit déterminé à agir rapidement, répondant ainsi aux polémiques sur ces retraites supplémentaires d'entreprises. Récemment, c'est GDF Suez qui a défrayé la chronique. La société aurait débloqué 21 millions d'euros pour payer la retraite de son actuel PDG, Gérard Mestrallet. Le projet de loi devrait être présenté en Conseil des ministres le 17 décembre prochain et s'appuiera sur les conclusions du rapport de l'Inspection générale des finances commandé le 18 novembre dernier. C'est un moindre mal. Les billets de manifestations sportives seront soumis à un taux de TVA de 5,5%, peut-on lire sur leséchos.fr. Jusqu'ici, les événements sportifs étaient assujettis à l'impôt sur les spectacles, mais pouvaient en être exonérés sous décision communale. Une anomalie pour Bruxelles, qui avait alors pointé du doigt une double exonération. Les organisateurs ont alors craint un taux marginal de 10 voire 20% pour les manifestations sportives. Finalement, le Sénat a adopté un amendement le lundi 23 novembre visant à appliquer une TVA à taux réduit pour ces événements s'ils sont exonérés d'impôt sur les spectacles. Rappelons que l'amendement a été adopté au Sénat dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2015 qui sera soumis au vote final de l'Assemblée nationale. C'est tout pour cette revue de presse, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité des finances.